Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Bana nyoso ya Congo mbote bisika nyoso oyo bozali ezali pokwa lelo le 20 décembre 2021. Parfois, j'ai l'habitude de dire 2021. Bana nyoso ya Congo mbote bisika nyoso oyo bozali ezali pokwa lelo le 20 décembre 2021. Parfois, j'ai l'habitude de dire 2021. Malgré ba problème oyo ezali na mboka, nakanisi mingi kati na bino ba garder confiance na avenir. Mais pour que confiance wana ezala garantie, il faut tout sala mosala. Lelo bouti komona na Goma ndenge population est s'organiser, en barricadant les routes, en jonchant les routes d'Abamabanga, et puis certains ont préféré rester chez eux à la maison. C'est déjà un grand geste patriotique. Nous avons aussi vu Bilenge Moussoussou, Babotra qui soit policier, soit soldat Moko Munduki, mpe bazala ekotambola na yango. Félicitations na bango. Tosengi na ba jeune nyoso ya Goma, ya Ituri, Nord na Sud Kivu, bipai, na mboka na biso, ba pose ba acte wana. Ndenge ba policier na ba soda ba lingi ko bundate parce que baza ko banga to baza korompu, surtout baza ko banga. Bino ba peuple bomi bundila. Il y aura toujours de mort. Que vous soyez au front ou pas, il y aura toujours des morts. Dans les jargons militaires, on a toujours parlé des obus et des balles perdues qui tombent sur des innocents ou qui tuent les innocents. Ou bien c'est là qui va cibler. Et les gens meurent. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Les gens meurent. Alors je vous demande, bino nyoso, bobotola minduki na maboko ya ba policier na ya ba soda. Kima na munduki wana kopesa yango te. Kima na yango libela e commencé a créer des milices na kati ya ba quartier, na kati ya ba balabala na bino pour tuer les complices congolais et les occupants. Bobangate. Bobotola ba policier minduki, ozui policier, ozui soldat, botola e munduki bomaye. Dès que vous avez deux armes, trois armes, quatre armes, etc., donc vous formez déjà une milice. Na kata quartier. Milice na bino boko formé. Ezala ya kobuma bato te, ya kobotola bato mbongo na bango te, ya koviole basi te, me ya kokengela nde mboka. Kokengela nde ba quartier na bino. Dans vos quartiers, que vos quartiers deviennent des bastions de la résistance et non pas des criminels. Mais bon, c'est là-bas criminel, patriotique, et là qui si?
bo boma ba député, bo boma ba soi-disant sénateur ya Lokuta, ya Tufi ya Pamba, bo boma ba ministre, bo boma ba conseiller, ya ba ministre, ya ba PDG, ya ba président, bo boma tout cela qui ne veulent pas démissionner na gouvernement oyon pe balingi kaka ba koba kozwa salaire. Tiwe ces gens. Bazali ba esclavagiste à la solde des occupants et de la communauté internationale. Bobo mabango. Bozongi sa mindoukite. Créer des milices dans chaque quartier. Mpe soki ba forjin moana et tindi ba pulusu toba soda, attaquez-vous à ces troupes qu'on envoie là-bas. Boto la bango pe mituka na bango, armez-vous et réagissez. Ils vont tous fuir dès que bobani ko buma bango moko moko. De deux. Bino nyoso, si pa bisu nyoso, tulanda ki nsango ke Hippolyte Kajambere Kanambe, alias Joseph Kabila, abika ki na liwa na accident asalaki, balobika asalaki soki, trois chutes qu'on appelle tonneau, kasi, d'après les détails que nous avons, abikaki. Voilà pourquoi, une des raisons pourquoi moi je ne crois pas dans Zambé na binu wana au Sambelaka. Parce que Zambé na binu, par nature, c'est un criminel. C'est un dieu sanguinaire, je n'avais parlé dans ma vidéo le kaka. Et de deux, Nzambe na binu a peur des criminels. Comment, en une journée, des criminels occupants, tels que Hippolyte Kajambere Kanambe, na Rwanda wana soki Gisaro, babika, y'a pas accident. Et puis, Nzambe na binu ou Nzambe laka, respect qui a biki si bango na liwa. Nzambe a biki si bango na liwa ba criminel, des voleurs. Mais des innocents qui sont toute la population et nombreux malheureux tels que les Tchebeya et les autres, ba koufa, ba bika na liwa te. Hippolyte Kajambere Kanambe a boma bango. Mais Nzambe na binu, d'après ce que les gens disent, Nzambe a bikisiye, Nzambe a bikisaka babundu ya Congo te. Nzambe azoko bikisa ba Congolais mingi te o bazoko kufa mikolo na mikolo. Nzambe na binu, votre Dieu justicier, votre Dieu le roi et chef des armées, Abik Sakabatouté. C'est un faux dieu, un dieu impuissant. Raison pour laquelle je ne crois pas à lui, parce qu'il n'existe pas. Et s'il existe, il laisse mourir les innocents, les justes et les normaux. Mais il épargne de la mort des criminels, des voleurs, des gens qui ne méritent pas de vivre, quoi. Des gens tels que les Hippolyte Kajambere Kanambe. Quand la nouvelle est tombée, je sais que nombreux gens tenaient déjà à main une bouteille pour célébrer la mort. Et nous allons célébrer cette mort un jour. Et voilà, après l'accident, on a vu un autre farfelu d'intellectuel congolais, un certain Papi, je sais, Papi Tambou ou Papi, je ne sais quoi,
le nom de ce voyou-là de PPRD qui a osé dire ou appeler à une enquête internationale qui doit être diligentée et une enquête crédible d'appeler lui. Ce fut l'occasion pour lui de plaider pour la vie d'un imbécile, un voleur, un marginal, tout Rwandais voleur pauvre qui est venu chez nous en tant que pauvre et qu'il soutient, lui, Papi Tambo. C'est ce qu'il est allé apprendre à l'université, de soutenir des envahisseurs. Parce que grâce à sa verve oratoire, il a pu s'acheter une maison, il a pu creuser un petit trou de piscine chez lui et son ventre a ballonné, il a pu s'acheter un véhicule et il s'est dit, bon, c'est la vie, au détriment de la majorité. Papi Tambo. Le Papi Tamba là-bas, c'est un néant. Il plaide pour qu'il y ait une enquête internationale. Et pourquoi pas une enquête nationale? Quand tes compatriotes ont été zigouillés, pourquoi tu n'as pas fait appel à une enquête internationale? Tu lances un appel aux enquêteurs internationaux pour venir établir la justice sur un simple et normal accident que tu as qualifié d'attentat, qui a attenté à sa vie. Tu étais là? Ça, ce sont des allégations. Mais c'est Papi Tamba, tu n'ignores pas que ton chouchou de président, Hippolyte Kajambere Kanembe, est un drogué. Il fume du chanvre, il se drogue, il termine des bouteilles de whisky parce qu'il est dépassé. Il est stressé. Entre-temps, il est ivre. Il souffre de l'ivresse de l'abeille. Au Monaka Nzoi, Sokyo Tiki Masangawa, Toma Futawa, le Nzoi toujours arrive, hein? L'abeille, il vient. Aïe, amené Masanga. Masanga Mbila, Elongula, Skol, tout ça. Akoya, amené. Il est ivre, hein? Elle est contente. Okay, Zongi. Et elle va appeler un SM d'abeille, Bakoya Kumela. Et avec le temps, Okubana Mona, Nzoya Kouina Mai, Tona Masanga, Oase Kumela. Et l'autre qui va suivre va tomber là-bas. C'est ça la caractéristique de Tuti chez nous au Congo et de beaucoup de gens. Bakokufa na mulangwa ya nzoi à cause de la richesse congolaise. Kanembe, c'est un drogué, il prend du chanvre. Je ne suis pas un médecin, mais nous lisons beaucoup de livres où l'on décrit certains symptômes d'un drogué. Tala Kanembe awa nase a miso na yao. Tu vas voir que si jeune qu'il est, il a des poches. Na yaba paupières, na ba sous paupières asuka, et qui dit déjà n'est pas alors qu'il n'est qu'un jeune garçon. C'est parce que il est drogué, il se drogue. Et je pense, en conduisant sa voiture hier, les gens devaient avoir trouvé des bouteilles de whisky de Jack Daniels et de beaucoup d'autres liqueurs intoxicants qu'il prend quand il conduit à tombeau vert. Il se croit dans sa chambre. C'est un drogué. Et nous regrettons que hier, il a survécu à cet accident que toi tu qualifies d'attentat. Quel genre d'attentat pour toi? Ce n'est pas un attentat. Soit il était ivre, il était drogué,
où il était distrait parce qu'il se croit dans sa chambre. Il conduit comme il veut parce que vous lui assurez la sécurité. Vous, les gens de PPRD et de l'IDPS. C'est malheureux pour l'Afrique quand on doit placer à la tête du pays un pauvre, un arriviste. Heureusement que son passé est bien connu, un pauvre. Alors, il arrive au pouvoir, à surtout qui? Mbongo Zakaboyi. Zoka vie Zakaboyi. Il veut se suicider comme cette abeille qui vient sucer de la bière et rentrer se percher quelque part. Elle va mourir. Le Congo, les richesses du Congo, c'est de l'alcool. Au fur et à mesure que vous le sucez, cet alcool-là, il va t'enivrer. Et dès que tu es dans un état d'ébriété, tu tombes. Il va tomber. Il en sera de même avec le ventre potent, Félix Tshilombo. Aussi longtemps que vous ne respectez pas le peuple congolais, vous n'avez pas d'empathie vis-à-vis d'eux, nos richesses vont vous enivrer et vous allez tomber comme cette abeille qui vient sucer dans un verre d'alcool et qui finit par se noyer dedans. Ne pensez pas que vous serez éternel. Nous mourrons tous. Mais les plus honnêtes d'entre nous vont mourir d'une bonne mort. Mais pas d'une mort honteuse comme celle qui devait emporter Hippolyte Kagame-Kanembe et le Rwandais Gisaru hier. Hippolyte Kagame-Kanembe, tu peux beau te cacher, mais la mort t'aura. Il en sera de même avec Vital Kamerhe et tous les Rwandais qui sont chez nous. Nous allons vous brûler, nous allons vous manger. Vous êtes ivres de richesses congolaises. Vous commencez à vous rendre compte que le Congo n'est pas comme l'Ouganda, que vous avez écrasé. Il y a des poches de résistance au Congo. Et ces poches, Ekobimisa, Bato Oyo, Bako Ziguyebino. Nous allons voir. Et vous, les Congolais, qui êtes des complices? Boye Bake. Nous allons vous manger également. Pour exprimer la colère que nous avons, nous les Congolais, vis-à-vis la complicité de Nabino avec les occupants. Ceci est un de moi. Vip. Je m'adore Vip Kilkilele. Pour le Congo de Lumumba, de Kassavubu, de Kimpavita, de Kimbangu qui n'était pas religieux, qui n'avait jamais créé une église, de martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit. Congo, terre d'avenir, il est menacé, mais il ne disparaîtra pas. Boti kala malamu. Ba Congolais nyoso tu ba ingba iba, il faut battre la racine nini. Ah, soko uzali Congolais a solo et sengeli ota la bobele Congo dialogue. Congo dialogue? Tembete. Soko uzali Congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote et sengeli ota la bobele Congo dialogue. Oye ba makamu uzali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais a solo. Yango wana. Papa kinzeta lobi yango, foko talaka. Tina yangu ngai pina yebaka makamu makolega kuna na bosa na te. Ota la kapeka ka Congo dialogue. Tembete. Yeah, ata nazali Congolais so ata ba mendele kwa kokiko tala. Congodialogue.com.